l'entrain. Oh, bonjour. Bonjour. Bonjour classe, laissez-moi vous introduire Monsieur Inspecteur Rigolo. Salut, alors je sais que c'est une situation un peu stressante à vivre dans ce moment quand une tragédie s'est passée à un de vos collègues, Alex. Donc j'ai besoin de vous interroger à la fois dans la bureau du principal. Toutes les personnes dans l'école ont passé dans le bureau du principal, mais pour finalement donner leurs empreintes de doigts. La dernière à passer était Laurence. C'est toi qui as trouvé le corps, n'est-ce pas? Oui, c'est moi, mais je ne veux pas en parler, c'est trop. Mais on faut mettre les choses au clair. Que faisais-tu sur la scène du crime? Je rentrais chez moi. Dès que tu as vu le corps, qu'est-ce que tu as fait? Je suis immédiatement allée au bureau et je vous ai téléphoné. Est-ce que tu connais la victime? Oui, je connais son nom. Elle s'appelait Alex. Elle était dans ma classe de français, mais je ne le connaissais pas personnellement. Alors, est-ce qu'il y a des autres choses que tu veux me dire? Non, j'ai rien à ajouter. Oui, allô? Rencontrez-moi au Starbucks à 4 heures. Inspecteur? Oui, c'est moi. Je m'appelle Becca. Je voulais vous parler. Salut. Avez-vous déjà placé votre ordre? Oui. Decaf grande, four shot, soya, wet, extra hot, latte. C'est à moi. Je vais le chercher. Merci. Voilà. Merci. Oui. Qu'as-tu à me dire? Je voulais vous dire, avant que vous trouviez par vous-même, c'est à propos de la victime et moi. J'étais intimidée par Alex pendant plusieurs années. Ma vie à l'école était un cauchemar à cause d'elle. Je suis terriblement désolée. Ça ne m'aide pas. Alors, quand j'ai vu qu'elle argumentait violemment avec Madame Lafolle, la professeure de français, j'étais si contente parce que finalement, elle a ce qu'elle méritait. Mais... De quoi parlait-elle? Je n'ai pas entièrement compris, mais Alex parlait en anglais, comme toujours, et Madame Lafolle essayait de la faire parler en français. Elle a dit que si elle ne parle pas en français, il y aura des conséquences graves. Qu'est-ce que tu faisais à l'école à cette heure? Je faisais mes devoirs à la bibliothèque. Ok. Je pense que j'ai assez entendu. Merci beaucoup. Merci. Après avoir récolté assez d'informations auprès de Becca, l'inspecteur alla interviewer tous les professeurs présents la veille du crime. Rendu autour de l'autre professeur de français, M. Bonsens, celui-ci l'accueilla avec plaisir. Bienvenue dans ma classe. Comment puis-je vous aider? Puis-je vous demander que vous faisiez dans le jour du meurtre? Je corrigeais le test de ma classe de 9e année. C'était exceptionnellement exceptionnel. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut témoigner votre alibi? Oui, je parlais au directeur à propos du concours. Du concours? Mais quel concours? Le concours du professeur de français. Vous n'en avez pas entendu parler? Non. C'est très important ici. Il s'agit que le professeur inspire leurs élèves à parler en français. Le professeur avec la classe qui a parlé le plus français gagne un voyage au Bahamas. C'est très intéressant.
Vous voulez me voir? Je sais que tu n'étais pas dans la bibliothèque le jour du crime. Je ne voulais pas vous dire, mais j'ai vraiment pas du choix. Je suis dans la club de tricotage. Oh, c'est si embarrassant! Tu peux demander à mon professeur si tu veux être certain. Bonjour, classe. Bonjour, Madame Lafolle. Bonjour. J'en ai quelques questions à vous demander. Ah oui? Est-ce toujours à propos du meurtre commis il y a quelques jours? C'est si tragique. Oui, je pense que j'ai trouvé l'assassin. Ah oui? Qui est-ce? C'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Tu es très proche l'un de l'autre. Mais c'est qui? Dites-le-nous. Madame la folle. Ce n'était pas supposé aller si loin que ça. Mais que vais-je faire? Silence, s'il vous plaît. Vous avez deux choix. Soit je vais parler moi-même au directeur pour lui dire tout ce qui s'est passé. Ou vous allez lui dire vous-même. Par la suite, vous allez vous rendre à la justice. Mais pourquoi? Je sais qu'Alex n'est pas la meilleure élève de la classe, mais dès là de le tuer... Mais je ne voulais pas en arriver là. Elle arrêtait pas de parler en anglais et ça ruinait mes chances de gagner le concours de français. J'ai réagi trop violemment et sans le savoir. Je l'ai assommée et elle est tombée la tête la première sur le bureau et elle est morte instantanément. Mais comment avez-vous fait pour cacher votre crime? Je pensais que l'inspecteur avait pris toutes les empreintes de doigts de toutes les personnes dans l'école. C'est vrai, j'ai donné mes empreintes, mais dès que monsieur l'inspecteur a reçu un appel anonyme, je suis directement allée changer mes empreintes avec une élève. Je ne me rappelle même plus. C'était celle de Becca, pour être plus précis. Moi? Mais pourquoi? Oh, je ne sais pas. J'ai juste pris les premières empreintes qui étaient sur la pile. Bon, maintenant que vous savez toute l'histoire, Madame Lafolle, vous allez tout dire au principal et je vous emmène en prison. Non! Pas en prison! Je suis trop jeune! Trop jeune? Allons-y! Non! S'il vous plaît! Non! S'il vous plaît! 4 mois plus tard, Madame Lafolle se retrouva condamnée à 10 ans de prison pour le meurtre d'Alex, adolescente de 16 ans. La raison qui a poussé son acte était qu'elle voulait gagner le voyage aux Bahamas offert au vainqueur du concours du meilleur professeur de français. Finalement, ce prix a été gagné par M. Bonsens, un de ses collègues. Mais je ne voulais pas en arriver là. Elle n'arrêtait pas de parler en français. En anglais. Yes. Ok. Oui? Il y a un meurtre. Mais comment avez-vous fait pour cacher votre crime? Je pensais que l'inspecteur avait pris... Oh, bonjour. Bonjour. Classe, voici les... Bonjour, classe. Bonjour, classe, laissez-moi vous introduire. Ah ah!